Bonjour à tous et à toutes, c'est Méléris. Et aujourd'hui, je suis en compagnie des Hermanos. Et oui, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour ce let's play de Spyro. L'épisode combien ? L'épisode 10. L'épisode 10. Oui. Et aujourd'hui, nous allons aller en bas des flèches. Et comme je suis pas descendue, je sais pas s'il y aura encore un niveau après ou si ce sera le dernier de ce monde. Suspense. Ah non, il faut que j'aille en haut des flèches. Pour pouvoir le choper de court. Oui, c'est vrai. Bon alors tu m'en verras, désolé pour ce let's play, contrairement à Rayman, je ne peux pas t'aider. Parce que je ne connais absolument rien c'est pas à ce jeu. Ah, oh non. Vol 2. Vol 2, cri... Ok. On se rappelle. Boldar. C'est vraiment la vraie. Cette porte t'amène vers un endroit où tu peux apprendre à voler. Quand j'étais un jeune dragon et que je m'entraînais à voler. Apprendre à voler, compris. Et bien voilà, Méléris, tu vas pouvoir apprendre à voler. Mais tout à fait. Ouh, oui, j'ai une petite roule. Non, j'étais en vacances, ils parlaient un peu comme ça, les gens. Ah bon. Et quand j'avais essayé Cristal, donc bol de Cristal. Ah. En fait, je voulais faire un épisode, enfin une vidéo sur Harvest Moon, mais mon instrument a bugué et je voulais faire mon intro en parlant avec cet accent. Mais j'en suis totalement incapable. En plus, c'est très laid. Donc voilà. Oh. Alors, c'est bizarre qu'il y ait que ce monde, je pensais pas qu'il y aurait ça en fait. Et du coup, je sais pas où aller la nacelle de l'ouvrier quand on change de monde après. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Bah ma foi on verra bien. Ça sent à partir d'enfin. Non, sérieux, c'était bien et tout. Mais je suis oh, j'ai chopé des trucs et tout, j'ai une chance d'y arriver. Sans fail. Non. T'es un peu surpris. Et oui, on repart tout début. Donc c'est une sorte de niveau un peu arc-en-ciel. Non, je m'en fous. C'est bon. Je serais pas quand même que. Là, on vient de faire des épisodes de Rayman et genre. Oh, la maniabilité sur Spyro est tellement mieux. Je revis quoi. Non. Alors que tu y es habitué. Oui, aussi, c'est vrai que. Moi, si je me mets à jouer à Spyro là, je pense en ai mieux. Non, c'est sérieux, il me reste quelques secondes. Ah, mais t'as un temps limité. Mais comment tu veux que je fasse? T'as pas c'est un... une blague. T'as pas un turbo? Non. J'ai raté le code, je suis foutu. Sérieux? Non, c'est bon. Mais c'est quoi ce niveau? Est-ce que vous croyez que je suis obligée de finir ce niveau pour passer à l'autre monde? Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans le... Voilà, ici. Mais... Non, laisse-moi! Ce piège, dis donc. Ah, on peut descendre. Attends. Oui, si, on n'est pas allé là-bas, d'accord, on est d'accord. Non, tu es arrivé de l'escalier. Oh, il faut une clé. Ah, la nacelle est là. Ah ouais. Une sorte de mage avec de la pluie qui tombe sur la tête là-bas, non? Oh, non, c'est pas de la pluie, c'est... You. Ouh, la classe. Ah oui, donc c'est vrai que dans ce jeu, c'est tu peux pas... Bah si, c'est ah, de bah la c'est Gandalf. Mais non, c'est pas le même. Lui, c'est un truc genre de la foudre, alors que Gandalf, il est magique. Non, il me fait attaquer clair. Ah. C'était Gandalf, maintenant c'est Pikachu. Exactement. Je diversifie. D'ailleurs, on m'a proposé de faire un let's play sur Pokémon. Alors bon, j'adore les jeux Pokémon, mais le truc c'est que je pense pas qu'un let's play là-dessus soit vraiment intéressant, étant donné que ben, c'est assez répétitif quand même. Moi, les. Je ne dirai rien sur la caméra. Attention. Elle ne mourra pas. NON! Putain, il est sérieux! Non, je me suis noyée en plus! Je croyais qu'il me restait encore une vie. Où suis-je? D'accord, je suis à la fée qui m'a piégé tout à l'heure, c'est pas grave. Donc là, je descends. Ouh, et comme ça, je peux ouvrir le coffre. Oh, vous croyez que ça m'a enlevé la clé de mourir? Bonne question. Manifestement, oui. Quoique, lui, il a des armes. Tueur! Faut pas que tu montes sur l'espèce de caisse blanche là. Non, tu sais, c'est un coffre avec. Ah.
Oui, je vais lui péter sa gueule. Oh yeah, on dit, j'en ai besoin. Que fais-je? Est-ce que vous pensez que j'ai encore la clé? J'ai pas envie d'y retourner parce que je sens que je vais remourir la chambre. Tu crois vraiment que les viewers vont répondre là? Bah j'aimerais bien, écoute. Aidez-nous hein, si vous connaissez la solution des niveaux. C'est vrai que c'est le genre de truc, je voudrais mieux le faire en live. Mais je doute qu'il y ait beaucoup de personnes présentes à mon live. Donc, Ah ouais, bon bah en fait je peux toujours essayer. C'est bien dommage. Quand tu auras un peu plus de notoriété. Voilà. Mais on est 20, ça y est, on est 20. C'est quoi ces trucs? Une sorte de ronflex bleu. Il y avait déjà ça dans les épisodes précédents? Oui. Ah, on en avait déjà dit. Je devais oh non, oh, je te portais de malade. Le mec, son bras, il fait 5 mètres de long, quoi. Ok. Donc, du coup, je sais pas où j'en ai. Mais il est sérieux. Non, sérieux. Avoue que c'était abusé. C'est vrai, c'était n'importe quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah là là. C'est moi, il fait une sorte. C'est méchant. Du bruit qui fait traîneau, tu sais, on se croirait à Noël. Il manque plus qu'il fasse trop. En effet, c'est vrai. Oh oh oh. Oh, tu te calmes. Arrête avec ta portée toute pourrie là. C'est de la triche. Je me fais attaquer par celle cette fois. J'ai inventé évidemment. Je te l'accorde quand même, le nombre d'ennemis est quand même beaucoup plus élevé que dans Rayman. Ouais, c'est sûr. Ouh. Non, allez, mais... Oh là là! Ça me saoule, hein. Mais putain! C'était une embuscade! Alors ça, je m'y attendais pas. Ah, mais en fait, c'est lui qui fait spawner les gros monstres. T'as vu? Il fait un petit truc, il pouf. Ah, peut-être. Ah, toi, t'es comme ça, toi, quoi. Ah ouais, mais je t'ai dit, moi, je pense ça te saoule trop. Est-ce qu'il peut les faire spawn de l'infini, vous croyez? Je va savoir. Enfin, de l'infini à l'infini. C'est le lag de l'infini. C'est pas pareil. C'est ça qu'il faudrait que je diversifie un petit peu mes expressions. J'en conviens. Alors, comment il s'appelle? Jarvis. Jarvis. Ah, je m'y attendais pas. Il y a 18 pires. Bienvenue au pic des magiciens. C'est mon endroit préféré pour effectuer une supercharge. Utilise-la pour frapper les magiciens. Genre le dragon qui te raconte sa life. Moi j'aime les pissenlits. Je voulais vous dire que j'aime les pissenlits. Non mais c'est trop ça. C'est tout ce que je voulais. Voilà, ça faisait quelques jours que j'y pensais, je dormais plus très bien. Bientôt tu vas libérer les dragons, ils vont te dire j'aime faire du bateau. Et voilà, il va partir. C'est bon, il est parti. C'est bon, tu l'as tué. Ou il est parti, je sais pas. Ça c'est pas. Non. C'est un mystère. J'aime pas ça, ça prend du temps. Les ventilateurs, ouais. C'est pas des trucs qui te permettent de te surélever quand tu sautes dessus. Oh là là, cette pièce là de l'ennemi, quoi. Oui, j'en ai eu qu'un. C'est vraiment... En fait, c'est énorme. Tu peux enchaîner les ennemis en leur fonçant dessus comme une grosse bourrine. Oui, c'est vrai. Puis-je aller en face, tu crois? Alors, non. C'est horrible quand... Alors, ça m'a rendu compte un peu trop tard, mais non. C'est horrible quand t'as l'espoir et tout. Et tu vas et tu te rends compte que ça ne passera jamais. Donc c'était pas le bon chemin, les amis. Non, je pense qu'il va falloir attendre un peu, monter un petit peu. Oh, j'ai fait un petit dérapage. Feinte sur le côté. Feinte. Non. C'est bon, je commence à partir pour des délires bizarres. Je crois que j'ai craqué. Le mec a eu un effet pas terrible sur moi. Exus. Papa. Merci de m'avoir libéré. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y en a et c'est assez bref. Hein. Mais oui, c'est généralement la même chose quand c'est bref comme ça. Oui. Et voilà, il nous a pas dit moi, j'aime les patates à boulot. Ouais. Bah, au moins il te remercie. Oui voilà. C'est que les autres ils sont pas en jolie. Dans Rayman 3 par exemple, quand tu les libères, des fois ils te tapent de gros pifs alors. Oh putain, je les libère pas. Oh, je sais pas pourquoi je me penche comme ça. Peut-être que je devrais même les libérer du chaud comme ça. Alors là je te le dis tout de suite, tu n'y arriveras pas. Ouais non mais j'observe. C'est bizarre quand même. Y a pas des, Ah mais c'est pour revenir là en fait, tu vois, on va venir tac 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 et on va revenir ici. Je suis en train de me demander s'il n'y avait pas des flèches pour le turbo. Je n'ai pas l'impression qu'il y en ait. À mon avis, on va devoir monter.
Non, 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 je ne suis pas d'accord du tout. Pas moi. Je voulais bouger la caméra. Je sais pas pourquoi, ce matin j'ai regardé une vidéo sur Goat Simulator et je sais pas si tu connais. Non. En fait, le mec il s'éclatait à faire en sorte que sa chèvre se couche comme ça. Oh, le chèvre égyptien. Ça y est. Les amis, je n'ai toujours pas trouvé comment enlever un accéléré. Mais la dernière fois, tu avais bien réussi. Bon, après plusieurs failles, tu avais bien réussi. Oh ah, yeah voilà. Ah bah voilà. Ah, mais cette classe intégrale, dis donc. Je pensais pas. Je pensais qu'on y avait. Oh, en plus j'ai plus Sparks, si j'étais tombée, j'aurais été trop deg. Ouais. Bon là il s'agit de pas faire n'importe quoi, voilà, évidemment mon machine ne craint rien. En fait là je suis sûre que si je lui fonce dessus je vais atterrir dans l'eau. Attends, je vais me placer un peu correctement. NON bah, oui, c'était bah, encore pire mais... mais pourquoi tu voulais faire quoi? Tu voulais passer entre les deux... Mais je voulais lui foncer dedans. Ah bah oui bah... Ah mais il est sérieux. Oh, c'était vraiment trop moche. Bref... Franchement là. Oh, je rêve ou il vient de tuer un truc? Je pense que oui, parce que regarde, il y avait une. Il vient de tuer un mouton. Ouais, non, c'était pas un mouton, je sais pas. Ah, mais c'est possible, hein. Il suffit qu'il y ait un ennemi. Je pensais pas que les ennemis s'entretuaient. C'est vraiment des violents ici, hein. Tu vois, rien à voir avec le mal. Hein. Mais j'ai remarqué que dans les jeux vidéo, tu avais un caractère assez bourrin. Ah, mais carrément. Tu aimais bien ça. C'est vrai que Rayman, c'est plus subtil. Comme tu vois, il y a des robots pirates qui dorment. C'est de l'infiltration un peu. Bon, même si de toute façon tu dois les réveiller pour les battre. Les jeux d'infiltration, les amis, ne comptez pas sur moi pour ça. Hein. C'est vraiment pas un truc fait pour moi. Ah non, tu te calmes, tu arrêtes. Tu ne tapes pas, un peu de respect, sinon tu sors. À la maison. Ah. C'est trop de chiant ça. C'est une mauvaise influence sur moi. Ok, donc c'est pas par là. Il faut qu'on aille sur les plateformes. Non, mais déjà, libère le dragon. Ah oui. Moi j'étais en mode derrière moi il y a... Lucas. Ah bah voilà, Lucas. Enfin non, qui ressemble à quelque chose. Écoute attentivement. Vas-y, dis-moi. Il existe un endroit secret dans le monde des artisans. Il est situé près de la cascade. Oui, je sais. Essaie de sauter sur les pierres à cet endroit. Monde des artisans, cascade, j'y vais. Merci du conseil. Monde des ouvriers, le monde des artisans. Ouais, mais et alors ça, quoi, après aussi, le monde des fonctionnaires. N'importe quoi. Comment on fait? Bah tu dois avoir le schtroumpf égyptien je pense. Mais j'ai déjà eu, attends deux secondes, on va regarder si on a chopé tous les dragons, comment je fais déjà, option. Non c'est dans l'inventaire je pense. Inventaire. Tu veux de la musique? Ouais on a tous les dragons, oh il nous manque un œuf. Ah. Attends. Bah oui bah c'est l'œuf du schtroumpf égyptien qui est devant. Mais non, regarde, lui il y a plus d'œuf déjà. Ah ouais, what the fuck. En plus regarde, il y a un coffre qu'on a pas fait. Ben c'est bizarre. Je suis déjà venue là, oui bah oui. C'est tout début ça. J'aurais dû ramasser d'autres. Ah j'ai une idée. Attention, ah, Maïl c'est une idée. Non mais en fait non, ça marche pas. Ça marchera pas. Bon ceci dit, si tu essaies de sauter quand je suis arrivé là peut-être, non. Bah c'est ce que je pensais, je verrai si c'est une idée. Quoique. Est-ce que tu as des vies à perdre? J'ai pas trop de marge à ce niveau-là, je suis un peu... Attends, regarde, ça va me faire une vie, là. Hop. Ah bah voilà. Il y a un truc en haut, non? Attends. Il y a pas un truc en haut à gauche? Droite? Si. Une espèce de... Mais... Une plateforme, mais j'ai l'impression d'avoir vu un champ de l'Égyptien, en fait. Ah. Bon, attendez, on va essayer de prendre les gens et de sauter. Non. Là, tu as foncé dans le vide. Donc, ce n'était pas ça. Déjà. Sérieux, mais c'est fou qu'il manque un schtroumpf égyptien. Je comprends pas du tout. Et puis il y a ce coffre. Donc, c'est cet endroit qui pose problème. Non, mais on peut pas arriver d'un autre côté en fait. Hein. Et t'es sûr que. Monter plus haut. Et t'es sûr que. Fais demi-tour. Ah oui, il y a peut-être des flèches en place. Des boosters. Et bon, il faudra que tu tournes. Attends, mais non, ils sont grave bien les boosts. Ouais, mais non. Là, il n'y avait pas je un truc... Je crois que de là, je peux aller de l'autre côté. Ça fait méga rare, c'est super dur le contrôle quand il est en mode hiver. Oh yeah, déjà le coffre. Bah regarde, ça se trouve, il y en a. Ok, non, c'est toujours les champions de bien. On va retenter.
pour traverser, mais ça me paraît compliqué ce ouais, soir. Moi aussi. Ça me paraît vachement compliqué. On prend l'élan. C'est parti. Hop, je tourne. Si, si, regarde, je le sens bien. Ben voilà. Je le sens. Ah. J'ai pas oublié le bon moment, je crois. J'ai pas sauté au bon moment. Comme quand j'étais avec mes mains. En plus, il me reste une seule vie. Donc le game over est pour bientôt. Comment exprimer. En fait, le. J'ai failli mourir bêtement en plus. En fait, préparez-vous déjà. Je n'ai même pas besoin de mettre d'annotation. Je sais déjà que je vais rater et que ça va gueuler. Le dis pas. Dis pas ça. Gâche pas de coup. Spoil pas les views. Il y avait pas de suspense. Allez. Ouais, c'est bon. Oui. C'est bon. Non. Pourquoi. Alors, pourquoi là, alors là, c'est dommage. Là, c'est dommage. Tu y étais. Ah bah. Ah non, si, t'as le droit à une chance. Eh oui, parce que. Par contre, là, c'est la dernière. Oh, il se recoiffe, c'est mignon. Alors. Non, non. Ah bah non, oui, mais oui, mais si tu tombes dans l'eau. J'aime pas la neige, n'empêche. Bon. Putain. Calme-toi, calme-toi. Je regarde même plus les coups. Eh oui. Il y a toujours ce bordel en face là aussi. Bah ouais, tu t'en fous du bordel. Trop de suspense. Ou pas tu d'ailleurs. Le suspense. Trop d'obstacles en plein milieu. Putain, mais il a pas sauté ce con. J'avais presque envie de te dire arrête-toi, ça vaut pas la peine. Fallait s'y attendre. Non. J'avais l'espoir. Pourquoi on recommence là. Ah ouais, putain, mais non. Combien ai-je de vie. Je pense que j'en ai 3 ou 4. Je peux toujours pas passer, on est d'accord. Enfin, j'ai le tuer, hein, c'est 4. Alors, hop, j'ai 4 vies. Je vais aller buter le machin qui me nargue et je fais une merde. Non, c'était pas de ce côté. C'est par là. Mais le truc, il est à 2 cm de moi, je mets 3 quarts d'heure à le buter. C'était honteux. Bon, on retente. On en est à combien de temps là? J'ai oublié de regarder là. C'est pas grave. C'est pas grave, je pense qu'on a été assez rapide. Du coup, ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on retente jusqu'à ce que j'y arrive ou que j'ai un game over. Si je ne suis toujours pas arrivé. Putain! Eh bien, je le ferai en off. Parce qu'on va pas non plus passer notre temps à faire ça. Bon, c'est vraiment honteux. Là, on sent le stress, je fais n'importe quoi, je vais dans toutes les directions. C'est vraiment. C'est nul. Moi qui te stresse comme ça? Non, c'est. c'est le game over imminent là. Ah. Bon, attends, t'as 5 vies, c'est bon. T'en avais pas 4? Bah, 4 plus celle que tu as là, tu sais, mec. Ouais, mais non, parce que là, je pars. Quand tu as 0 vie, tu en as une en fait. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Ok. Alors. Je récupère le montant OGM là. Il est où? Oh! Putain, ils sont sérieux? C'est quoi ces ennemis qui ont une portée beaucoup trop élevée pour moi? Et on va déjà tous les tuer, sinon ça va pas le faire. Ah, j'en ai eu 2, je crois que j'en ai eu qu'un. Ouais, une bonne dose de Rayman, ça va te faire du bien quand même. Putain! Je sens que quand il y a trop d'ennemis, ça te. Non, j'aime bien. Oh non, c'est sérieux! Tu as l'air de bien kiffer, oui. J'aime bien, mais. Mais pas trop. Mais comme je suis pas très. Putain, c'est oui, bon, le, c'est le quoi, truc ça qui spawn devant toi là, c'est. C'est dégueulasse. C'est vrai qu'il faut un bruit de Noël. Je c'est. Passer sur le côté. C'est assez perturbant. Bon, bah alors on attendra Noël pour faire la suite, histoire d'être dans le thème. Est-ce que si je marche là, ça me fait checkpoint? Et là, la fée, là, elle te donne pas de pouvoir déjà? Ah oui, c'était pour battre les scorpions. Là. Putain, ils sont sérieux! Ouais, il m'a donné une libellule. Un papillon. Apprenez c'est les bon animaux avec mes lys. Enfin, les insectes, c'est plutôt là. En l'occurrence. Ok, il n'en reste qu'un. Putain! Non, sérieusement! C'est grave abusé! Est-ce que la voie est libre? Elle est potentiellement libre. Potentiel.
Relativement. Allez, te rate pas cette fois. Ouais, ben, c'est difficile à dire. C'est vrai. Faut que j'appuie au bon moment. Oui! Putain, mais pourquoi il fait ça à chaque fois? C'est quoi son problème dans sa vie? Il a des pulsions suicidaires, ce dragon, moi je vous dis. En plus, c'est jamais de ce côté qu'il faut que j'aille. Bon, ce que je vais faire, c'est que... Elle est où la plateforme du dragon, là, que je puisse regarder? Enfin, que je puisse... Ouais. Putain, non! C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. En plus, là, je suis super énervée, j'aurais voulu rien. Calme-toi. Dans les jeux vidéo, c'est comme sur la route, il faut jamais s'énerver. Ouais. C'est mal barré. Bon, je tente de me contenir. Alors, plusieurs possibilités Safran. Dis-nous tout. On va faire des tests ici. Donc, peut-être qu'il faut que je reste juste appuyé sur carré et que je n'essaie pas de voler désespérément. Peut-être que si je fais ça, ça suffit. Parce que là, quand j'appuie, je ne vole pas du tout. Donc je vais essayer. En fait, oui, je pense qu'il faut que je me laisse planer et que j'appuie pas sur deux boutons, et c'est pour ça que tu continues à appuyer. Je crois que j'ai trouvé ça comment va. Aller de l'autre côté. Ça va, bien rattrapé. La classe quand même. Ah, j'ai regardé là. J'ai d'abord tué les ennemis parce que sinon ça me tuait. Hop. Bon, c'est bon, on est sur une piste là. Je pense que cette fois c'est la bonne. Donc en fait, je vous explique ce que je faisais jusque là. C'est que j'essaie d'appuyer sur croix au bout d'un certain moment. Et je pense que c'est pour ça que Spyro foirait totalement. Voilà. D'accord. En fait, il faut te laisser vue. Voilà, il faut pas que j'appuie où que ce soit. C'est propulsé par le. Voilà. Par les flèches et envoyé en l'air par le tremplin. Là, c'est bizarre, j'ai pas trop compris comment j'ai fait pour passer de l'autre côté. Parce que je crois pas que. J'ai pas l'impression d'avoir sauté. Enfin, bref, on réussira. Autant j'aurais pu le refaire, tu sais. Non, alors là, par contre, je comprends pas. Peut-être qu'il fallait que j'encline le stick, peut-être. Ah, ben. Si ça ne marche. Attention, il te reste plus de vie. Oui. Putain. Je pense que là, vous devez rager. J'ai une pensée pour vous et Bonnet. Bah, eux, ceci dit, ils peuvent déplacer le curseur de la vidéo. Bon, s'ils veulent, écoutez. S'ils veulent avancer direct. C'est pas notre cas. Je comprends pas. Ça m'échappe. Ça m'échappe. T'as essayé d'incliner le stick là? Oui, j'ai incliné le stick. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais partir relâchement jusqu'à la maison parce que je sais pas si ça décompte mes joyaux aussi. Autrement, si je prends le pas, le truc. Et je vais laisser le Père Noël là, forcément. Oh my god, il fait trop des trucs. Et je vais rentrer à la maison, donc là je suis profondément dingue parce que j'ai raté un truc égyptien et ça c'est pas possible parce que je pense qu'il faut qu'on les ait tous à tout prix. Hein. Écoutez, je pense que je vais réessayer en off parce que là c'est pas possible. À part ça, j'espère que cet épisode vous aura plu et que vous n'avez pas trop... était désespérée de ma prestation absolument improbable. Improbable par sa nullité, évidemment. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut, salut. Salut.